Déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est le plus haut niveau. En plus, la Russie est quand même une des nations les meilleures au niveau mondial, puisqu'ils sont troisième actuellement. Et puis, l'important, c'est au niveau du district de la Dordogne, qui est un district pilote pour le développement du futsal. C'est important de ces deux matchs qui vont avoir lieu à Sarlat et à Bergerac sur deux jours. Et puis, avec l'équipe de France, c'est une façon aussi décentraliser tous nos joueurs et de montrer que le futsal progresse au plus haut niveau en France. Maintenant, on a beaucoup de travail à faire au niveau des districts pour développer les compétitions auprès des seniors, des féminines et des jeunes. Un événement énorme, hein. Ouais, il y a 3 ans, on avait déjà eu aussi des foot féminins européens, donc, qui a permis au club de se développer. Je pense que là, le futsal est en plein développement. Ça va nous permettre de lancer une école de foot, de lancer du futsal, en espérant que la municipalité nous fasse quelques aménagements et quelques horaires pour pouvoir utiliser les salles qui sont très très occupées. Donc voilà, nous, c'est que du bonheur. On remercie, grâce à la municipalité de Sarlat, au district de la Dordogne, tout le monde a travaillé dans la Ligue d'Aquitaine, la Fédé, tout le monde a travaillé de la main dans la main. Et on espère bien continuer dans cette voie pour promouvoir le football, hein, dans un pays de rugby. Mais le football essaye de reprendre de la vigueur et ce genre d'événement nous permet bien sûr de progresser. Mais pour nous, c'est une grande chance parce que ça nous permet d'assurer la promotion du sport, notamment de celle du futsal qui est en plein développement. Ça nous permet aussi de montrer notre appui au club de foot qui est très dynamique et de continuer dans les belles relations qu'on a avec le district, avec la ligue de football. Et puis avec toujours une petite inquiétude, mais qui est, je le dis sous forme de plaisanterie, c'est que cela va nous obliger à renforcer les structures sportives, notamment celles du futsal qui sont un peu déficientes à Sarlat et qu'il faut encourager. Ça va nous pousser à investir là-dedans. Pour nous, ce qui est très important, c'est le développement du futsal. Donc déjà que bon, ça commence à U6 et ça finit jusqu'à en senior et en féminine. Donc ces deux matchs internationaux, aujourd'hui à Sarlat et demain à Bergerac, ne peuvent être profitables que pour augmenter le nombre de licenciés. Et surtout, on a entendu tout à l'heure des promesses concernant l'éventuelle construction de salles. Donc ça serait très intéressant pour nous. Et avec le football féminin, c'est les deux priorités.